parler, parle. C'est quoi le problème? Je demandais. Papa, mon amour, je suis ici chez moi tranquillement en train d'arranger mes fleurs et tout. Quand tu viens, tu vas dire ça. Comment ça me décède de moi? Épargne-nous les détails, va voir. Plusieurs fois, c'est pas ma mariage. Non, tu veux parler pendant la maison, je suis ici. Parlez-vous de la fille de Blanche, alors, elle arrive, tant, je vois qu'elle vient me faire le congo. Tu la connais, c'est là que tu es parti prendre une bambine. Donc, c'est comme ça que ça se passe souvent, c'est comme ça que ça se passe souvent. Bonjour. C'est comment? Oh, ça va, comme tu n'as pas demandé qu'elle m'enseigne hier soir. En fait, parce que je devais te dire, tu es chez toi, non? C'est comment? Comment tu vas? Ça va, et toi? Ah, je suis là, encore, il te voit comme ça. Je te conseille, déjà que c'est sûr que tu vas seulement venir nous faire le congo ça de notre mari. Il a encore fait quoi cette fois-ci? Parce que je te connais. Maman, je suis en train de te plaindre. J'ai un super plan. J'ai un super plan. Quel genre? Que je suis venue avec. Quoi encore? Mais ne sois pas pressée. On se connaît. On se connaît. Tu es venue me trouver dans cette maison, première femme. Donc tes plans là, va doucement. Je t'écoute. Le plan c'est quoi? Quand tu as mis à finir de chauffer comme ça, il veut m'encore dire. Ah, parle, je t'écoute. Ouais, oh, je t'écoute, non? À la fin, c'est toi qui vas me remercier. Ah bon? Ok. Attends, calme-toi, je suis indiqué. Est-ce que tu te rends compte que notre mari est franchement... Mais c'est pas pour ça que tu es venu entrer dans le foyer, cela. C'est pas parce que tu avais vu tous ces biens que tu es venu entrer. Est-ce que tu m'apprends quelque chose? Il est riche, évidemment. Il te donne l'argent comme il me donne l'argent. Et puis quoi encore? Il me donne. Tu es milliardaire, je suis milliardaire, il y a quoi? Juste que j'ai un petit souci. Le souci, c'est que l'argent que notre mari doit nous donner à deux, on partage encore l'argent avec la belle famille. Attends, je ne comprends pas. Tu veux me dire quoi? Vas-y, je ne comprends pas. C'est quoi le projet? C'est quoi ton plan? Je ne comprends pas. Le problème, c'est que si mon mari doit me donner 1 million, il te donne 1 million. Ah. Il va me donner 800 000 parce qu'il doit envoyer à sa mère, à ses frères, à ses soeurs. Et ils sont tout le temps, tu les vois tout le temps défiler dans la maison, c'est là comme la peste. Ils viennent toujours demander l'argent. Mais c'est sa famille, non? Est-ce que c'est nouveau? Donc il doit qu'on s'occupe de sa famille. Tu n'aimerais pas que tous ces biens-là reviennent à ton nom propre. En fait, le plan que moi je suis venue te proposer, c'est que... On l'élimine. Amour, la sorcellerie, c'est quelque chose. Hein? Ah, vraiment. Seigneur. Alors, sois sérieuse. Tu dis que quoi? On fait quoi? Tu dis que quoi? Tu n'aimerais pas que tous les voitures, les comptes bancaires, oui, les immeubles, l'école qui est de l'autre côté là-bas, oui. Toi, tu prends le collège qui est de l'autre côté, moi, je prends. L'autre qui a mis mon man là, à ton nom propre, on se partage juste la richesse. Parce que quand elle est encore là, la belle famille là, ils sont en train de nous nuire. Donc, si je comprends bien ton plan, c'est que on élimine notre cher et charmant époux qui nous garde bien. Parce qu'il s'occupe de sa belle famille. Pour que nous, on devienne quoi? Les veuves joyeuses. Oui, est-ce que les maris en manquent? Avec tous les hommes qu'il y a sur la planète, là, quand tu as l'argent, ce sont les hommes qui te cherchent, ce sont les hommes qui courent derrière toi. Imagine-toi avec toute la richesse là. Même si tu dis à n'importe quel homme que je t'épouse demain, il va refuser. Ah, et quel est ton plan donc? Vas-y, puisque tu es venu, ça veut dire que tu avais un plan. On va donc l'éliminer comment? Comment? Tu as un plan? Parce que moi, je t'écoute. Ok, maman, ma vie, même si... Donc, toi, tu ne connais pas. Maintenant, tu veux jouer les saintes. Pardon.
Je t'écoute, non. Alors qu'entre nous deux, même tu es la plus diabolique. Maintenant, tu veux faire comprendre aux gens là maintenant que moi, je suis la plus dangereuse. C'est arrivé là-bas. Donc, tu es venu ici pour venir m'insulter. Non, je t'insulte. Donc, c'est ça. Pas alors. Revenons, pas calme, non, 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 non. Calme-toi, reviens. Ah. Je t'écoute. C'est quoi ta que l'histoire de la polygamie, j'avais bien parlé de la polygamie, j'avais bien parlé de la polygamie. Et cela, reprenez-moi ça à zéro. Recommencez-moi ça mot à mot. Allô? Bonjour, il y a quoi? Comment tu entres seulement directement avec les pleurs, il y a quoi, ma? Moi, je vais lui demander si quelqu'un est mort. Maman, il y a quoi? Pardon. Vous savez quoi? Je vois que je vous défigure avant que votre mari n'arrive ici là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de tisser le plan pour tuer ton frère. Hein? Moi, si. Les yeux à la cuisine. En train de prendre le planteur. Il vient doucement pour venir prendre les plats pour servir. Comme de, il a dit aujourd'hui qu'il veut manger le planteur pilé avec le, la sauce au gombo. Maman, tu sais d'abord. Reprends-moi ça à zéro. Ouais, pardon. Hey, maman, tu sais que moi, je suis une femme chrétienne, non? Pardon. Dieu, pardon. C'est elle qui est venue me servir. C'est ce que maman dit là. J'ai un problème d'audition. Ou bien. Moi, je ne sais même pas ce qu'elle a comme. J'attends votre mari. Là, je suis assise là. Je ne sais pas ce qu'elle a comme. C'est votre mari que j'attends d'abord ici. Moi, je suis seulement venue lui raconter l'histoire qui se passe entre parle bien, parle bien. Tourne pas la langue. Toute la famille est réunie. Chérie, bon arrivé, chérie. Mon amour. Mon mari. Ça va? Ça va, mon amour. Je suis très content. Ah, enfin. Enfin, vous vous entendez, enfin. Merci, bonne arrivée, chérie. Merci, merci, vraiment, je suis très content. Je vous demande de reprendre tout à zéro avant qu'il ne soit très content de vous. Parlez rapidement, parce que où je suis là, je risque de me déshabiller ici, parce que je suis prête à me déshabiller. Je suis prête à me déshabiller. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce commence par ta première, celle que tu appelles la Fobola. Commence par elle. Maman, qu'est-ce qui se passe encore? Je devais t'envoyer. On dit qu'on commence par Fobo, c'est ce mal à maman. Maman, maman, je suis ton épouse. J'ai choisi une fille bamileke. Tu as dit non. C'est pas bien pour faire le mélange de culture, le brassage culturel. Je ne méritais pas une seule fois. Mais j'ai pris celle-ci. Elle est boulou. Ça fait que. Je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, je suis content. Dès le départ, ça va faire. Moi, tu as déjà attaché la bouche comme ça. Il attend une explication. Explique-lui pourquoi. Pourquoi sa mère est dans cet état? Tu ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ma mère ment. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Tu ne devais pas poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tes deux épouses ont comploté pour te tuer. Ne m'en ouais. Non, comment? Chérie, ce n'est pas vrai. Oh. Donc, ta mère ment. Je suis une ancienne église. Je crains Dieu. Tu sais ça. Ce n'est pas bon. Pourquoi le grand Jean avait dit Dieu même le fait de t'avoir créé. Je suis ancienne de l'église. Tu crois que je peux faire ça? T'as dit c'est quoi? Non, maman. T'as dit c'est quoi? Malaise là. Non. Reprends-moi par moi. Explique! Parce que moi-même, je n'ai pas besoin.
Si vous voulez que je me déshabille donc maintenant. Quoi? Parlez. Je veux tout l'arrêter. Parle. Tu es ma mère. Si elle ne veut pas parler, parle. C'est quoi le problème? Je demande. Mon amour, je suis ici chez moi tranquillement en train d'arranger mes fleurs et tout. Quand tu viens, tu vas vivre ça. Mais parlez-nous les détails. Va voir. Excusez-moi, je vais faire ma non, tu veux parler quoi dans la maison? Je suis ici. Parlez-vous de la fille de la alors, elle arrive. Tant, je vois qu'elle vient me faire le congo. Tu la connais. C'est là que tu es parti prendre une bambine. Donc, c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est comme ça que ça se passe souvent. Elle vient me dire que chérie. Attends, d'abord. Déjà, je ne veux pas des expressions d'une bambine ou bien. Je vous êtes où, au même titre. Dis-lui de quoi tu as dit que tu vas venir faire l'office. Elle est venue avec un mien. Parlez vite, tu as dit que je vais faire quoi mon fils. Tu as dit que je vais faire quoi mon fils. Elle est venue le plan pour toi. Parlez vite, maman. Maman de quoi, tu veux tuer l'enfant sur ta belle maman. Non, ce n'est pas la façon là. Tu as dit quoi? On le tue. Tu as dit quoi? Elle est venue pour le tuer. Tu as dit quoi? Vous pouvez être très joyeuse. Tu as dit quoi? C'est pas ça que je voulais dire. Ah, ne m'arrête pas. C'est ça. Donc, c'est que je suis venu. Ah, ne manque pas. Tu es venu me soulever. Tu m'as dit quoi? Tu es notre mari. On va prendre tous les immeubles. On va prendre les voitures. Ce n'est pas ça. Quand je parlais, tu as accepté, non? Moi aussi. Tu as accepté. Arrêtez. Tu as accepté. Assieds-toi. Si tu n'acceptes pas, pourquoi? Si tu avais quand même un cerveau viril. Si tu avais un cerveau viril. Viril. Tu devais nous appeler. Tu as laissé qu'elle chute. Elle rechute jusqu'à une chute sans frottement. Tu as laissé tout ça. Si tu avais un cerveau viril, tu devais vite appeler eux. Ce que j'entends, c'est que tu m'en as appelé. Tu es resté là. Qui ne dit rien comme ça? Non. Il n'y a pas de nom. Je ne me connais pas. Je voulais maman, je suis venue avec mes copines ici. Elle doit même quartier. Tu veux me donner la forêt, le droit. Tu veux savoir la plus méchante. Tu as laissé mes copines, moi, pour moi. C'est une sorcière. Vraiment. C'est une sorcière. Femme. Elle est partie de chez elle. Pour venir dire à sa copine. Oui, c'est ça. Comme tu as les maisons. Tu as les immeubles. Les voitures, les comptes en banque. Tu as les comptes en banque. Tu nous. En fait, nous, on est jeunes. Moi, ta mère. Oui. Les jeunes. Avec les scolarités, papa, Maria. Ouais, tu fermes ta bouche. Ouvre ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Ne fais seulement que tu as accepté qu'elle s'en sait. Et quand elle se met à parler, et quand tu écoutes, tu es fini. Lève-toi. Je n'ai pas sa porte honte. Chérie, ce n'est pas exactement ce que je dis. C'est ça. Tu as dit quoi? Non, mais dis-moi, ma bouche, c'est un lot. Elle dit que moi, ta mère. Comme ta mère, ça y est, tout là. Quand ma mère parle, tu la boucles. Non. Tu as compris? Oui. Elle dit que j'exagère tout. Oh, c'est ton argent avec. Je m'habille avec ton argent. Ah, c'est bon. Je fais. Où c'est le valet? Les sonas et les hammams. Je fais les sonas. Oui. Je fais les hammams. Une vieille femme comme moi. Oui. Je porte les habits transparents. Ta photo pour la vie. Je ne suis pas partie en mariage. Je ne peux pas aller en mariage. Je vous gêner ici. Donc, c'est la seule chose que je veux faire. Toi, tu ne viens pas là. Le problème, c'est qu'on va te tuer. Gardez vos yeux. Tu ne veux même pas sortir de ma cuisine. Tu es qui? Toi. Quand tu n'as même pas d'abord la corpulence là. Pourquoi est-ce la non? On est souvent qu'elle. C'est pas qu'on a pris les dames. La poule ne parle pas. Les problèmes des dames. Ah ah, maman. Tu ne peux pas. Tu es maman. Donc, c'est le problème. Vous devez tuer mon frère. Vous allez aussi tuer avec nous. Comme ça, vous voulez me tuer? Non. Chérie, je veux te tuer. Je ne peux pas te tuer. Je ne peux pas te tuer. Regarde, mais je mange la terre. Je vais te tuer. Je te donne ça comme tu n'as pas le téléphone, tu es en prison. Elle a fait ça. Elle a fait ça. On va venir avec mes copines ici. Tu es un secours, tu es obligé d'être vite. Elle vient chez nous.
de sa famille pratique. Avec leur forme sa famille, canonique, tu les amènes ici. Heureusement que c'est ma mère qui connaît, qui comprend. Ça, c'est pas possible. Je vais voir. Mais... Je vais voir. Qu'est-ce qui m'arrive? Rien. Bien sûr.